Chami Chomini, né en Kabylie, est un enfant de la terre. Il la défend au risque de perdre la vie. Les séquelles physiques de la guerre d'Algérie le poussent à se rendre en France en 1962. En 1967, il cofonde le premier groupe moderne de la chanson algérienne d'expression kabyle, les Amranis, avec lequel il sillonne l'Afrique et l'Europe. Autodidacte, pionnier des radios libres, il prend la plume en 1994 pour retracer les affres et les joies vécues des hommes et des femmes de sa région à travers une saga intitulée Orgueilleuse Kabylie. Voilà, ce lieu s'appelle Tatat. Cet endroit précisément évoque et réunit tous mes souvenirs d'enfance. Et ça doit être un cousin. Ismi. Il est. Ismi, non? Voilà, c'est un cousin, c'est fils de mon cousin. Nous avons le même arrière-grand-père, lui et moi. Voilà. Et je ne le connais même pas. Hein, t'as raconté? Hein? Ça va aller, fais voir moi tes yeux, ça les mêmes yeux que moi, ça se voit. Bien, hein? Bébé. Yeah. Attends, tu vas prendre. Aïe. Aïe. Voilà, la maison, je suis né, tout ça, ça me rappelle. Ça n'a pas bougé, c'est resté comme ça. C'est resté intact. Là, on met du foin, en haut, là. On bassait les animaux. Quand j'étais petit, ma mère dormait là, mes frères, moi, c'est là, je dois dormir par là. Il y avait des couffins, il manque des couffins, là. C'est là où on met le gars, où on met le manger. J'ai mangé dans ça, tchirvis. C'est 40 ans en arrière. Alors, il y a un scénario de faire d'ailleurs. Je retourne la machine arrière. Là, ça m'évoque trop de souvenirs. Je ne peux même plus parler par l'émotion. C'est auprès d'hommes sans fortune que Chami puise son inspiration. Parmi eux, il mène un combat d'artiste révolté. Enfant prodige, après 7 ans d'absence, Chami est de retour dans son pays. Ah, ça, même. Ça va. Vous ne travaillez pas à rien. Pas de travail. Pas de travail ici. Pas d'usine. Et vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi? Nos parents. Grâce à nos parents. Et les parents, ils font quoi? Ils travaillent en France. C'est des retraités? Oui, c'est des retraités. Et alors? Et l'avenir, comment vous le voyez? Pas d'espoir en Algérie. Partout? Partout. À quel mètre? Donc vous vivez tous des retraites de vos parents? Eh bien, la plupart. Oui. La majorité? La majorité. Et les jeunes, les jeunes? Ah oui, je me dis, je vais te faire un peu de temps. مي كون ميم غاطي كاد سعوت ولا باش نخرج الدول خضر يفير يا ورا علي منا ما علي منا اش عدي لغو حاجي جا صراحه وخرج هنا وغرينا لا فوتو جاي هنا انا باش نجي من هنا واش نجي من حد من هنا حد الدول الخضر شي من الدول الخضر وين مي دا شي سي انا وين غير الدول الخضر انا ويا وين ويا ما حنا الدول الخضر وين الخضر سعد وين الخضر لا الشمال خير لا لا بوبيلاسيون تاع ارشيبيلا ça a peuplé la méthode par 10. On va créer le commerce lèche, l'usine lèche, le bâtiment lèche. Mais les immigrés, c'est fini. 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 هذه خدمة 9 سوايع شحال يسوى السميد؟ 20 كيلو سكتر فمي نولع عليه شوية وتعيش الصعوبة فيك دقارة قوة دقار ربي قال لها كبر شوية وينك ساعة أنا مكان لعالي قدر الحكومة نعي ساعة شوية غوك ماطين وتلا خدام مسكيني لي مور هادي خلص هادي عيش يسن 8 أيام برك خلص إما أنا هذيك فونت اللي رتريتي هذا شنو كان راسهم تسترو؟ عاش قال مثل اللي جيمي قرايا نوني ما سدي ربي العشرين سنة هذا جمن المنوني هذا جمن يفا فير لا ريفوليسيون هو كني تسدو اه
10 نوفمبر يفوت الزلزال ارثورا وين كنت يعاون والو كرا يونو غادي يعاون مره ارثورا ارثورا والو كرا اللي غنكيت في ديك لا نخدم كاين مقارنة سوليداريتي كبيرة نويد 120 مليون دفكاني الكوميتي دو فيلاج ومن بعد تزرم ديال سنوا كون دفكا كنت فكان شي طوح شي طوح الحق وفكر برك خاطر بامير دفكان الحاجه اللي غادي تخرج ميم يعطيكم الصحه. Les Algériens ne sont pas restés insensibles à ce drame. Un esprit de solidarité s'est élevé sur tout le territoire national. Au dire des villageois, les dons pour aider les familles sont restés bloqués à la préfecture de Sétif. Le tremblement de terre a provoqué l'exode de familles entières. Certains ont trouvé refuge chez les proches et les plus démunis s'abritent dans des garages. Chemi est trésorier de l'association Solidarité Kabylie. En compagnie de Nera Shedad, la présidente, ils remettent ensemble les dons récoltés en France au comité des villages sinistrés. Elle le doit principalement à son immigration. L'immigration est une véritable force économique. Sa disparition risquerait d'affamer et d'embraser toute l'Afrique du Nord. Dans ce village d'Ibrahim, le marché vient d'être inauguré. Chami y découvre des amis d'enfance et d'autres nés en son absence. Le marché est le lieu où tout s'échange, où chacun, riche ou pauvre, ramène le fruit de ses efforts pour le troquer. Ah oui! Ça va bien! Merci! Toi aussi, bonne santé! T'as toujours un beau sourire! Mais oui! On a fait un La Kabylie rime avec poésie. Sur les lèvres de ses habitants jaillissent des proverbes ou des chansons. L'oreille est souvent captivée par la flûte du berger. Chami, qui représente la figure emblématique de l'artiste, écoute avec intérêt des groupes de chanteurs et aime à découvrir de nouveaux talents. Du pain et de l'eau. Il y a un verre d'eau et un morceau de pain. C'est tout. Tu vis de ça. Je vis de ça. C'est la misère, mais d'abord, donc, maintenant, je vais vous dire que c'est possible, mais je ne sais même pas si je vais vous dire que c'est n'importe quoi. Akin man lam aynik tqra ka gta'rf bli douche kul aiba daya kif kif wi wi sa'ana kul men problem un jeune qui a 27 ans 30 ans c'est le moment de travailler c'est le moment
montre. Un jeune maintenant ici en Algérie, un jeune de 30 ans, il sera en retraite. Il est en retraite. C'est la fin de la vie. C'est vrai, mais c'est la fin de la vie. Touché dans sa chair, Chemi Chemini apprend l'assassinat par les gendarmes de son cousin Ayad Ramdan. Accompagné des jeunes du village, il rend hommage aux jeunes défunts à l'occasion du 40e jour de deuil. خالد يوسان ميس خالد بالقاسم يفهم فرح يس غي على الشوره غي على الشيعه نقبل يس نستعرف يس اثن فرح يس من سمرابح من الوشو مره نعبر قادر كيف كيف نغمره ما دميس نك ما غير مود الشهيد عندي مود الشهيد ميس نك مي مود الشهيد خاص ويدي كما غير مود حتى يرحم ربي لي دي سات جوان بارتير 5 اور كن L'enquête est dans la brigade en face. D'après la gendarmerie, c'est ma qui est de même. Je suis indirect, la caramogène, c'est ma. Normalement, la caramogène, c'est de même, c'est ma béchouante. Je suis de seul béchouante, donc le rachet est méché, c'est ma fusée de garde. Mais ça, je suis indirect, c'est ma route. Il a mis, il se mis à rentrer dans le zoo, il a 35 ans, jeune, un médecin. وراح ميلارة مرتجين باش هما تساوين وبراني لما يدي لها أرمطانة يينا ومن بعد يفاد ثامورت تتوسط عمر الزدخل ماشي ذا براني يقوم ماذي قبل البطلة يقيك تعيش هكا يكرد كونتر البوفوار أكن يذكر الجان لي زالجيريان مرة ونيفو ناسيونال وسورتو وسورتو لا كابيليا الناس نكيما الناس نكيما هاد المثقة كنموتني مزورة أكن يقمو تعمي غام زوار ورمطان ثمور ثيين هذا مثل كيف هذه مثل ذي نودي تقال راه أتاخي صداد عمايني أخي قلت اللي أعطي ذهر غين المسكين تعداتي الموت بطل بطل أكا عيناني إيه سالي كيرو تخلي لقيرني آخر نسيس عشري مورن كنا مقاريت الدفع الكفارين لان دفعين لم ينسوا هذا روميين هذا روميين وما اللي تجيني أقلق نخلطة ميغو أنه في ديش أنا نخدم دونك صراحة أبي جوست بني ورتي يعني الجمعة السيئة مني بشوى كذيغة أكني أراد ما زود القراث حكميت ما زود فلي حكميت ما زود طيجي حكميت أكني بسحوري في شيء يسعى الكوراجي ناس أضغر كان لم يدي ديوي الباك يرح لونيفرسيتي بوزري على الدزاير يغافيك ساعة كان يتما يتمي توجور هذا راح على ايطاليا سينا ورسقنا يسن الفرنسي يسن الانجلي العرب صات لي يعني تيبغى يسن الاسبانيول الالمان نقارو كل لونغ نقار لونغلي نقار الفرنسي نقار تعرف مثل لا لونغ لغه قبيلي التمازيغ تا سيدي قوم انا ندالو صغار نكون يا يمزوره يقصدغ نكتمور تايس ذي القبايل لاصل سون دي بربر La 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 la
Greek together, Greek together. Let's all Greek together. La la la. La la, that's why la la on the table. La la, that's why la la. Les mauvaises graines à brûler. Avec les généraux, le pouvoir, tout ça à brûler. Alors, à Oujda, la nouvelle des nouvelles. Un jeune se suicide. Tout le Maghreb se suicide. C'est un suicide collectif. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Avant, on disait ils s'en foutent, ces Gaulois. Maintenant, je dirais ils s'en foutent, ces Arabes. Perspective d'avenir. Comme s'il y a un avenir en Algérie. Semaine culturelle citifienne. Tiens. Depuis qu'il y a la révolte, ils se mettent tous à chanter. Qui tue qui refait surface? On est en pleine période estivale. Et moi, je peux vous dire qui c'est qui tue qui? C'est les mêmes. C'est les colonels, les commandants, les officiers que la France a placés avant de partir, qui sont au pouvoir. Après avoir tué les maquisards, maintenant ils tuent leurs enfants et leur mémoire. Voilà. Ministre de l'Intérieur interdit la marche du 8 août à Alger. Kabylie qui cherche l'embarrassement. Avec point d'interrogation. Kabylie cherchait le droit. Depuis quelques années, des drames se multiplient dans les villages et les villes. Il n'y a plus aucun espace de tranquillité. Chaque parcelle de terre est un lieu de révolte. La jeunesse kabyle manifeste ouvertement sa colère, crie sa fureur en s'opposant sans peur aux gendarmes. C'est le début de l'instauration d'une conscience collective nouvelle. D'une volonté politique d'abattre cette épidémie meurtrière, militaire, qui s'étend dans toute l'Algérie et qui entraîne des centaines de morts et des milliers de blessés. C'est contre une machine impitoyable qu'une jeunesse tout entière se soulève à présent. Ils m'ont amené déjà en prison à l'époque de Bomdine. Et ici en Algérie, à Sidi Aïch, tu peux te renseigner, ils ont ramené les Abranis en prison. En 75. Depuis 40 ans, c'est le même pouvoir. Commandé, on a marre. Voilà. On a marre. Mais vous savez très bien que tous ceux qui ont fait la révolution, ils les ont tués pour les remplacer. C'est sûr, c'est sûr. Mais comme je pense, de toutes les façons, jamais, jamais ils vont laisser tomber les choses comme ça. Non. Il y a les braques à roi. Comme je pense, non. Le combat, ça va continuer. Cette fois-ci jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est officiel. C'est officiel. Dans toute la Kabylie. Toute la Kabylie, sans exception. Voilà.
صحة كما فوالا صحة الله يسلمك على خير بليت صافي 34 جور تي بليسي اي تو تبا انكور مازال سون بيتي ولا سمع سون بيتي سويس جون جي 20 اون جابيت ولا بوجي الكسور كوم فو فوي ايسي il y a des gendarmes sont des terroristes tués net terroristes devant tout le monde il faut un fond un fond ça y est chana khami li rgas ndakhal sni dir men sen bachar chmli kham sen ils ne sont pas laissés pourquoi ça il faut sn der neb kan sen sn der ni dir men sen oui chan sen sdra ne zama de loge de gendarmes zama zmerni kulchi mais il faut la gentillesse regardez avec ces armes chimiques. En Algérie, comme dans tous les pays totalitaires, l'information est sous contrôle de l'État. Les images que nous découvrons ont été filmées à l'insu des autorités au risque de voir confisquer son matériel ou finir en prison. Par crainte d'être identifié et ensuite dénoncé, les comités de village n'autorisent personne à les filmer sans avoir au préalable gagné leur confiance. En ce sens, l'équipe qui a réalisé ce documentaire les remercie vivement. طب صايد سنة رقت خران شنو سوى الكل شردة الحال وقت خران شنو سوى الكل شردة الحال Un c'est beau mouvement de contestation populaire enregistré depuis le 15 juin 2001. Dicta. Les sièges de l'APC et de la PRA ont été pris en partie par de jeunes manifestants. C'est-il. À la mi-juillet, une vingtaine de citoyens ont voulu bloquer la route nationale. Mascara. De fortes rumeurs d'émeutes ont circulé aux alentours du 20 juin dans plusieurs localités de la wilaya. Dahra, c'est Chlef. Des citoyens ont, le 29 7 2001, investi l'APC et le domicile du PAPC, le président de l'APC. Ce dernier, avec des membres de sa famille, a ouvert le feu en direction de la foule. Bilan, un mort et deux blessés. Selon les différents correspondants de presse, cet incident est survenu suite à une marche qui devait être pacifique. Voilà. Quand on veut marcher pacifiquement, il y a toujours quelqu'un, hein, pro-pouvoir, qui ne tire dessus et qui est fait justement dans la manipulation et dans la provocation. Alors là, moi, venant de France, je veux vous demander quelle est la raison de ce soulèvement de la Kabylie. Comment ça se passe, j'aimerais bien. Nous voulons juste donner place à notre identité, C'est clair et net, c'est ce que nous demandons, et je pense que c'est un droit de vivre dans un pays qui est reconnu à une minorité, pour ne pas dire la majorité, ainsi de notre part la majorité, son identité. Cette identité berbère est incontournable, est une évidence historique, mais elle n'est pas la seule revendication Absolument. De tout le peuple algérien. Le pouvoir dans toute cette démarche vis-à-vis justement de la vis-à-vis de ce problème, de ce soulèvement, de ce mouvement, il a tout fait pour que ce soit pour justement en quelque sorte canaliser ou bien minimiser tout le mouvement dans une question identitaire. Il voulait à travers cette optique, cette démarche de régionaliser en quelque sorte le mouvement. Voilà. Il voulait régionaliser le mouvement. Dire qu'il y a des Kabyles qui se sont soulevés alors que dans d'autres régions, à Sétil, Bayer, Mdia, il y a des problèmes encore plus. Il y a une situation sociale, culturelle, économique plus misérable que ce que vivent les Kabyles. À chaque fois, les Kabyles demandent, par exemple, il y a quelque chose comme ça, cher Kankan, j'en ai 60 milliards. Moi, je ne suis pas arabe, alors tu n'es pas musulman. راح ديرتوا تكون على ريليجيو ديالنا باش غادي يكون الكونتاكت عفوا بوتفليقه عفوا اش يخدم بصح لي اسلاميست لي انتيغريست باش هاد تي دعوا كونتر الديمقراطيه دونك ils sont mis d'accord pour que nous tombions jamais d'accord ils voulaient nous mettre en opposition entre berbères et arabes nous voulons c'est-à-dire s'exprimer dans la langue qui appartient aux algériens en loranais en algérois en sétifien cette langue arabe nous appartient. Elle nous appartient. On n'est pas contre le développement et l'épanouissement des langues. Que ce soit Knidina, maintenant Chamien. Moi, j'ai fait une licence en langue russe. Moi, j'ai une licence en langue russe. Je n'ai pas de complexe par rapport aux langues. Les langues, pourquoi qu'ils utilisent l'arabe
parce qu'ils savent très bien dès quelqu'un étudie l'arabe, c'est le futur chômeur, et que eux, pendant ce temps-là, qu'ils soient irakiens, égyptiens, syriens, jordaniens, libyens, marocains, tunisiens et surtout algériens, tous les enfants de ces gens qui nous gouvernent, comme on dit, ces gens qui prétendent nous éclairer en réalité nous aveuglent, leurs enfants, ils étudient soit à Londres, soit à Paris, soit aux États-Unis. Le pauvre peuple souffre. Donc, il est important de dire que le combat continue et il faudrait qu'on soit très vigilant, très mobilisé, afin finalement de parvenir à atteindre notre objectif, c'est de justement d'arriver à satisfaire nos revendications, qui sont des revendications nobles et justes, ce sont des revendications sociales. Il y a effectivement la revendication identitaire, c'est clair et net. Je ne peux pas, je ne me reconnais pas dans un pays qui ne reconnaît pas dans sa constitution mon identité historique. C'est important de le dire aussi. C'est important de le dire. Donc, notre objectif en tant que délégation de ce type, c'est de faire un travail, de lancer une campagne de sensibilisation pour cette délégation, notamment étrangère, de l'expliquer la nature du régime algérien. C'était ça notre objectif. On a dit faire une manifestation, dire une action contre la tenue du festival, le 15e festival de la jeunesse et des étudiants. Les Arouches constituent les assemblées des villages. Cette structure remonte à l'époque antique. Chaque comité comporte un chef de village que les villageois élisent pour ses compétences. Abdelwahab, responsable du comité d'El Tourtilen, forme l'ossature des comités de l'ensemble des villages de Kabylie. Avec Chami Chemini, il coordonne une marche sur Alger, programmée pour le 8 août 2001. Le pouvoir va-t-il encore frapper ? Cet article fait référence au 14 juin 2001. Le 14 juin 2001, les Arouches ont appelé à une marche pacifique sur Alger pour remettre au président de la République la plateforme d'El Ksar, composée de 15 revendications non négociables, dont je vais vous en citer quelques-unes. Le jugement par les tribunaux civils des corps de sécurité et des fonctions publiques responsables des crimes. La consécration de Temesirt comme langue nationale et officielle. La garantie d'un État garantissant tous les droits et toutes les libertés, sociaux, économiques, démocratiques. La lutte contre toutes les formes d'injustice et d'exclusion. L'institution d'une allocation chômage destinée aux demandeurs d'emploi. Les organisateurs voulaient une marche historique. Elle le fut. Mais elle fut aussi une marche noire, de par la grande mobilisation qu'elle a suscitée, mais surtout par ses conséquences dramatiques. On dénombrera des dizaines de morts et des centaines de blessés, causés par l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le pouvoir.
On assistera ce jour-là à une véritable chasse aux Kabyles, menée par des agents du pouvoir déguisés en civils. Ces derniers useront d'armes blanches pour massacrer les manifestants. L'inquiétude de cette jeunesse révoltée concerne tous les Algériens qui luttent pour une impartialité justice sociale, le droit à la citoyenneté et que cesse la corruption d'hommes assoiffés de pouvoir. Cette jeunesse souhaite que ce pays reste uni et que cette union s'étende à toute l'Afrique du Nord. La priorité des Kabyles reste cependant la reconnaissance identitaire. Non, on ne va pas vous écouter, monsieur, puisqu'ils ont décidé d'aller, même si on va aller à pied, on va aller à pied. On ne va pas s'arrêter. Parce qu'on va faire, on va passer, toutes les buts, on va les faire détourner, et on va sur Alger. Ah, on ne va pas s'arrêter, on est venu, on va arriver jusqu'à Alger. D'accord ? Le combat continue et personne ne peut nous arrêter. J'ai mon fils qui est mort. En tant que grand, je ne vais jamais accepter que le sang de nos enfants va disparaître. La guerre de l'indépendance a coûté 1,5 million de soldats. On doit transmettre nos enfants, même aux bébés. Ils doivent savoir qu'il n'y a que des gens qui sont morts pour la démocratie. Et la démocratie s'arrache. Nul n'a le droit de l'enlever, c'est une langue maternelle. C'est une langue maternelle, nul n'a le droit de l'enlever. Aucune force au monde ne va nous enlever Samazir. Si on pose la question à l'histoire, on trouve toujours que Samazir est une langue, la première langue sur la terre d'Afrique du Nord. Vive la liberté! Vive la liberté! Bon, il y a des chars qui barrent la route. On va passer la journée sur la route. Voilà, ils font demi-tour. La première c'était le 14, c'est pour remettre la plateforme d'Irkser, de revendication. La deuxième c'est la marche des délégués, encore réprimée. La troisième c'est celle de Bouira, marche sur la Bouira. Et la quatrième c'est celle d'aujourd'hui. C'est toujours le pouvoir, elle nous accorde toujours la sourde oreille. Et nous on ne va pas lâcher. Les Kabyles ils ont juré qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction de cette plateforme. Soit en aboutissant à la fois notre revendication, sinon on crève tous. On ne craint pas la mort parce que nous sommes morts et merci bien. Nous connaissons. ديون وجدود ورنحمل لا طمح قرنيف ديون وجدود ورنحمل لا البطل ديون وجدود يتنغن غفت اللي ممسلي ديون وجدود يتنغن في زرفان ومدان ديون وجدود يدي قرن ألان البطل ألان طمح قرنيف نكوني نبغى أني دير أكن نلان ذات نصليف أني دير ذي مزيغن أكن يغدي جان قولا يوبا مسنسا أكو أضويات الأسا ثمورتا أني ويتشي تشان أنا يوجد صوتا تمورت غروية أنا واجد صوتا تثليفا تمزيق غروية أنا تصوتا سيدي سيستام دي جينيرون On aimerait bien les généraux, ils sortent. On aimerait bien le pouvoir, il changera. Parce que c'est un pouvoir assassin. Qui tue ? C'est un pouvoir, c'est des voleurs. C'est des mafias. Qui c'est ce pouvoir ? Ce pouvoir existe depuis 1962, que tout le monde connaît. Que tous les Français, tous les Européens, le monde entier. Mais ils font rien. Vous le savez bien, vous-même, vous le savez. Et pourquoi ce silence? Si le monde entier nous entend et nous voit, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il fasse quelque chose. Aujourd'hui, hier, demain, nous serons là. Alger, s'il faut, à Paris, s'il faut, à Londres, s'il faut, en Amérique. Nous serons là, tout ce que vous voyez ici. Et vous êtes témoins. Tout parage.
16 سالت ويتذهب باينو تنخدم لامار جو باس يتناول حق النار يا ماما بون لا Il a été allumé, personne ne va l'éteindre. Il sera jeté d'une ville à une autre, d'une terre à une autre, sans arrêt, jusqu'à ce que nous allons aboutir à nos revendications finales. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème régional, c'est un problème national. On veut exactement faire tomber le pouvoir. Parce que la plateforme de revendication d'Alxer au Tizi Ouzou ne se limite pas exactement sur les 63 revendications. Même on peut partir au-delà, jusqu'à faire combattre ce pouvoir. Parce que l'événement a commencé depuis le 20 avril. Bien c'est avant, le 18 avril. Donc ça a duré plus de 3 mois. Donc on va continuer comme ça jusqu'à que nous aurons vraiment une deuxième liberté, comme a dit le jeune. Oui, il a dit que l'Algérie, il a eu le temps en 1971, j'étais interpellé avec l'Algérie parce que j'avais dit que l'Algérie. Il a dit que l'Algérie, c'est son élève. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on espère de lui? On sait que l'Algérie, c'est les généraux qui la commandent. Ça s'arrête là, quelques généraux. C'est pas tous. Combien? 11? Même pas. Non, impossible. Il y a 6, il y a 6 généraux. Il y a de la marine. Il y a un seul qui est général-major. C'est le chef d'État. D'accord. C'est tout. C'est l'unique. Le président de la République, Bouteflika, fait le Festival international de la jeunesse. Au lieu de voir ce qui se passe au sein de l'Algérie, nos enfants se font tuer par des balériennes. Au lieu de revoir les causes de ces perturbations, de ce qui se passe actuellement en Algérie, le président et un clan du pouvoir invitent des torpillés pour voir l'Algérie, pour donner une autre image à l'Algérie. Mais nous, des Algériens, on connaît bien l'Algérie, on connaît la dictature de l'Algérie. Oui, pour une Algérie, oui. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous avez dit 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 que direct. Parce que c'est un Algérien. Vous avez dit que vous avez dit وين يسكن سليماني صدارة هنا الجيري لا ربي سعودي يروح إلى ربي سعودي تعشدي ذا سيدي مزيغ سيدي بربر ولا دمو ولا Cette marche du 8 août 2001 a été interdite par le pouvoir. Les manifestants dans leurs camions seront refoulés par des dizaines de barrages placés sur toutes les routes qui mènent à Alger. Toute la journée, les heurts ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre. قدر ما نزور سبورا وريس تزور نفسوس نحنا تنرقو وري اللي ذكم قدر ما نزور سبورا وريس تزور نفسوس نحنا تنرقو كنزا سي الجيري كنزا لا ليبرتي كنزا لا بيتيت في اورفلين تار جاود كنزا سي لا توندريس سي لا بي اي سي تان ميساج malfaiteur algérien, à leur tête, le président, soi-disant président de la République, M. Bouteflika. Si ce n'est pas le cas, il faut que nous devions le faire de la même chose. Si ce n'est pas le cas, il faut que nous devions le faire de la même chose.
أم يفر يبو بحري سيس من تيد تيقوه من وقاذن تيل سوين الكذب يطفيت ذي ثيارسي بركاث اسمون دير ذو قلن بركاث السوني السنانن تخرتي ثيريك أتكوكتي أدفك الحب من لولن يسوان سيدا من وذي خرضن ذي مطي يمطي يقو جيلن كان زاقا رسل تغير مستغلي ذولي De tous les slogans, partis politiques ou autres qui ont été scandés durant les marches, il y en a un qui résume à lui tout seul tout ce que le peuple algérien veut. Il y en a marre de ce pouvoir. C'est celui-là qu'on ne cesse pas de scander maintenant. Et quand on dit il y en a marre de ce pouvoir, qu'il comprenne qu'il doit partir. C'est difficile d'être maire avec tout ce qui se passe. La difficulté de gérer dans un pays qui est le nôtre, ne vient pas seulement d'une conjoncture parce qu'il y a eu des événements ou même dans les moments de calme, la gestion est très difficile. Nous avons en face une administration, un pouvoir qui ne veut pas que ce ne soit pas lui qui gère. Et comment se fait-il à travers tout ce mépris que les jeunes Algériens subissent, il n'y a qu'en Kabylie, en apparence du moins, que cette jeunesse, elle paraît plus turbulente et plus révoltée. Jusqu'à aujourd'hui, les événements du Kabylie, pour les discours de Bouteflika qu'il a tenu au sud par exemple, c'est la Kabylie, c'est le Kabylie, c'est tout. Qu'est-ce qu'il leur manque, on va leur donner. Ils lèvent les gens du nord contre les gens du sud, ils lèvent les Kabyles contre les Arabes, les islamistes contre les démocrates, alors qu'en réalité, ça a touché quand même 40 wilayats, 40 départements sur 48. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus honorifique que lorsque quelqu'un demande la paix. Le président de la République, il a décrété la concorde civile. La concorde civile, c'est-à-dire les gens qui ont tué, qui ont engorgé, il leur pardonne pour qu'ils reviennent dans la vie civile afin que nous vivions en paix. En parallèle, les gens qui manifestent pacifiquement, les hommes, les femmes, les citoyens, ils sont réprimés avec des balles réelles. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? D'abord, la question qui se pose, quand ça ne sera pas de poser, c'est qui tue qui c'est qui tue et qui c'est qui meurt. Nous, on ne sait pas. Le président de la République a décidé de pardonner à ces gens qui tuent. Quels sont les accords qui ont été passés entre le pouvoir et les islamistes? On ne sait pas. Est-ce qu'en compensation, il leur offre par l'Algérie de demain 200 000 morts, je crois, depuis cette tragédie, 80%, ce sont des gens de couche sociale, je ne dirais pas modeste, mais pauvres. Ce sont des carnages, des 450 morts à Bantalha, qui n'avaient même pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont même pas d'eau, d'électricité chez eux. Est-ce qu'un islamiste a intérêt à tuer des gens comme ça? Donc comment vous faites pour gérer la population, les plages, les rues, pour empêcher les voleurs? Parce que les voleurs... Je vous assure que la Kabylie ne s'est jamais aussi bien portée que depuis l'encloisonnement de ces vaches vertes qu'on appelle communément les gendarmes. On n'a pas peur de recevoir une balle dans le dos, on n'a pas peur de trouver quelqu'un dans un barrage qui nous dit le bakchiche, parce que ça se passe, hein. Un camion de sable qui passe, c'est 1000 dinars dans la poche du gendarme. Moi, je dirais qu'à Azkoul, on a créé une coordination des comités du village où on a regroupé toutes les bonnes volontés pour assurer la sécurité des citoyens dans les plages, pour assurer la sécurité dans la ville, pour assurer la fluidité de la circulation, surtout les journées de week-end où Azkoul est très convoité. On reçoit beaucoup, énormément de monde qui vient un peu de partout pour profiter des bienfaits de la mer, bien sûr. Selon vous, est-ce qu'ils seraient jugés au même titre que tous ces criminels de guerre? On peut espérer effectivement qu'un jour ils seront jugés. Ce qu'on souhaiterait, c'est être là pour assister, c'est tout. Enfin, le son de Massinissa a parlé. Le pardon à jamais. Oulej Smahoulej. Garmak Massinissa et tous les martyrs. Le son de tous les martyrs de Garmak Massinissa jaillira la lumière en Algérie. L'assassinat de Garmak Massinissa, Smahoulej, depuis le 18 avril, le deuil a commencé en Kabylie. Depuis l'assassinat de Garmak Massinissa. La chanson kabyle, considérée par le pouvoir comme contestataire et subversive, joue un rôle important dans cette lutte identitaire. Aujourd'hui, cette marche est organisée par les artistes en soutien aux familles des victimes du printemps noir 2001. Personnellement, ça fait 7 ans et demi que je ne suis pas venu ici. Ça me rappelle la tournée des Abranissis. La tournée des Abranissis, à l'époque, la liberté d'expression n'existait pas. Quelles sont les difficultés des journalistes algériens?
comprend les difficultés à le pouvoir, ce qu'il fait actuellement, c'est pour arriver à pousser le journaliste à s'autocensurer. Donc, la dernière fois, quand les journalistes se sont réunis, donc ça fait presque une année, nous sommes réunis à Cité Farrouj à Alger. Donc, c'était pour la rédaction d'une charte qui va gérer la profession. Donc, c'était l'éthique, c'était la charte de l'éthique et de la déontologie. Donc, on s'est tracé quand même des objectifs. On a fait le bilan, un bilan succinct de cette décennie du multipartisme et de toutes les libertés arrachées par ce peuple. Mais aujourd'hui, il s'avère que le pouvoir n'est pas satisfait de cette presse. Cette presse qui est née dans la douleur, c'était en 88. Donc aujourd'hui, le pouvoir veut remettre en cause tous ses acquis en éditant, je ne sais pas moi comment appeler ça, un code. Même nous, en tant qu'hommes de la corporation, on dit que c'est un code de la honte. C'est pour réprimer, c'est pas pour donner plus de liberté. Parce que le mot liberté, ça les dérange. Et puis, c'est un pouvoir qui est basé sur la répression. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de liberté. Moi-même, oui. Raconter la dernière fois que j'ai été faire une émission, tout a été préparé. À l'avance, c'était un direct qu'on devait faire. Alors, on devait être là-bas 2 heures avant. Et une heure avant notre passage, il y a 3 bonhommes qui arrivent pour dire blé, niet, pas de chanson, même sociale. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de m'expliquer un peu. Finalement, j'ai vu que les 3 types allaient appeler la police. J'ai pris ma guitare et je suis sorti. Il y a quand même des chanteurs qui sont visés. Dès qu'ils arrivent à la RTA, on les voit. Et en plus, dès qu'on chante en Kabyle, on fait de la politique, même si tu chantes autre chose. Après le printemps berbère, le printemps noir confirme que la jeunesse kabyle a vaincu la peur. Ils le disent, ils ne peuvent pas nous tuer car nous sommes déjà morts. Cette jeunesse kabyle revendique un nouveau projet de société, le droit à la citoyenneté et un pluralisme aussi bien politique que culturel, où la tradition se conjugue avec la modernité. À leurs yeux, le pouvoir en place et les partis d'opposition n'ont plus aucun sens. De déchirure en déchirure. Déjà un an après ma naissance, mon père est jeté en prison par les autorités françaises. Ces mêmes autorités m'ont torturé à l'âge de 13 ans durant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, à 58 ans, sans cesse, mon pays est cartelé par des luttes fratricides. Cette terre d'Algérie est constamment arrosée par le sang. Elle demeure la convoitise des hommes d'Orient et d'Occident avec la complicité de nos dirigeants. Tous, chacun à leur manière, étouffent et tuent toute conscience qui les dérange. Nos enfants se font tuer par les gendarmes et les policiers pour le seul délit d'avoir demandé leur identité dans la dignité. Ici comme ailleurs, la sagesse et la justice sont bâillonnées. Les hommes du pouvoir, après avoir pillé les richesses du pays, poussent notre jeunesse à l'exil où ils les assassinent. Une seule chose les préoccupe, les intérêts personnels, avec le souci de plaire aux puissances étrangères qui les maintient au pouvoir. J'espère un jour, le bon sens l'emportera et que mon pays sera débarrassé de ce pouvoir sanguinaire, toujours animé de haine, d'ignorance et d'un mental d'un autre âge. Ibu rida lidh mudlah
خدمي كميز ضوايا ام كلمة الهموم زدغان تموحى لدينا يبوري دليب مدلان تمي كميز ضوايا ام كلمة الهموم زدغان تموحى